Les Tots s'approchent à grands pas. Si tu veux te faire plaisir, rends-toi sur IG Vote. Et désormais, ils vendent des comptes avec des millions de crédits dessus. Lien dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une petite qualif fut champion. Et au programme, le Tots Caleron à aller chercher. On va essayer d'aller le récupérer directement. Et je vais jouer avec cette équipe. Alors, c'est un mix de ma grosse équipe. En fait, j'ai juste changé 3-4 joueurs. À savoir Asensio, que j'ai placé en carte fut champion. Voilà, je l'ai packé. Et forcément, j'ai envie de le tester. Tout comme Arias également, qu'on a placé aussi avec le Van Ginkel qu'on a packé. Hein. Voilà, comme d'hab, on essaye de tester un maximum de joueurs et si possible des joueurs qu'on a packé. Et le reste, bah, c'est l'équipe que vous connaissez. Voilà, c'est l'équipe que vous connaissez. J'ai juste placé Ronaldinho à droite du coup, parce que je voulais quand même le placer. Bon, il aura un peu moins de collectif, mais je pense que ça devrait le faire. J'ai remis Boateng aux dépens de Sailly. J'ai replacé Farman à la place de Ter Stegen. Et on retrouve Jordi Alba, que j'ai l'habitude de mettre maintenant et que je trouve pas si mal. C'est vrai que c'est un peu moins fort que Roberto Carlos, mais bon, j'aime bien changer. Concernant mon dernier fut champion, hein, je vous avais dit que je continuerais peut-être, c'était pas sûr. J'ai pas continué, les gars, j'ai stoppé à 18-2. J'avais pas envie de jouer, voilà, j'avais pas envie de jouer. En plus, j'avais un peu mal au crâne, du coup, j'ai préféré stopper. Voilà, c'est la reprise, on reprend doucement. Plutôt que se dégoûter du truc, autant faire 20 matchs tranquilles, partir sur de bonnes bases et reprendre le week-end prochain. Le week-end prochain, ça sera, je pense, le début des fut champions avec les Tots dans les packs. Donc là, ça sera vraiment intéressant de jouer. Et si tout se passe bien, je ferai les 40 matchs pendant un mois. Ça va être dur, mais on essaiera de tenir. Allez, bah écoutez les gars, on est parti. On va lancer le premier match avec cette superbe équipe. C'est parti les gars. Concernant l'équipe, je joue comme ça avec Asensio en 10, Ronaldo sur le côté gauche, Ronaldinho à droite et R9 en buteur. Je pense que ça peut être pas mal cette petite confi. Il aurait eu son collectif à 10 à rentrer, tu peux être sûr. Elle a croisé, elle rentre. Allez, 1-0 les gars. On est affûté là, on a joué de technique. Hein. Comme on sait jouer en même temps. Allez. Oh, il est monstrueux les gars. Il est monstrueux, il est monstrueux. Et on va avoir même un rush kit, je crois, au bout d'une demi-heure de jeu, les gars, tellement qu'il est fort. Eh ouais, le rush kit, bon, on gagne du temps, les gars. Si c'est tous les matchs comme ça, par contre, la vidéo, elle va vraiment pas durer longtemps. Penalty les gars, on prend hein, mais il faut savoir être objectif aussi hein. Là l'adversaire il mérite pas qu'il y ait faute. Allez, on le transforme les gars, j'espère que ça va pas faire durer le match 2 minutes non plus, parce que là c'est quand même abusé hein. Ça va trop vite les gars. Ah, c'est dommage. Ah, c'est but ça les gars. Nope. Oh, comment il me la loupe. Oh, j'ai parlé trop vite. Bah ça, il me le rate jamais normalement. Bon, quand même, elle aurait dû rentrer avec CR7 là, je suis dégoûté. Qu'est-ce que je suis con et gourmand. Ah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, bah, il a mis pause, je crois que c'est trop. Hein. Allez, deuxième rush kit les gars. Bon, ça va encore, on a quand même eu le temps de marquer des buts et d'avoir des occasions. Eh oui, 1-0.
Le 1-0 déjà. Et le troisième rush kit. La vidéo, elle va durer 5 minutes. C'est pas bon pour la paye, là. Oh ! Ah ouais, c'est son collectif là qui fait chier. Putain, c'est le poteau cette fois-ci. Allez, cette fois-ci ça rentre. On en a eu des belles avant, hein, qui nous ont loupé. Allez, 1-0 les gars. On va essayer de le faire quitter. Après, j'ai bien dit essayer, et ça serait beau, hein. 4 rush kit. Oh, mais c'est ouf! Deuxième, il veut pas. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Mais c'est une blague, là. Eh, s'il m'en met un, hein, là, c'est du troll, hein. Allez! Et le deuxième! Oh là là, il a fallu tirer 50 fois au but pour le mettre. La pause, les gars. La pause. Est-ce que le mec va quitter? Ça serait beau. Allez, quitte, s'il te plaît. Parfait, 4 rush kits les gars dans cette qualif. Le Caléron Tots débloqué. On a super bien joué, franchement je suis content de mon niveau de jeu. Par contre de ma chance, putain mais c'est incroyable. Elle est partie en vacances la chance. Vous allez voir les occasions les gars. J'ai jamais eu autant de mal à marquer. En fait c'est abusé, vous avez vu les occasions. Encore ça va, 13 tirs 9 cadrés. Mais on aurait dû marquer au moins 5 fois. En tout cas les gars, la qualif est là, plus le joueur, surtout parce qu'on était déjà qualifié, ça fait bien plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars, on va quand même aller voir la carte du Caléron, hein, pour le coup. Vidéo plutôt courte, hein, je m'attendais pas à ce que ça quitte 4 fois. Il a une belle carte, après c'est dommage, il a que 3 étoiles. C'est vraiment le problème du joueur en fait, parce qu'il a les stats en dribble pour, il a quand même, ah ouais, c'est abusé, il a une carte de fou, hein. En dribble c'est monstrueux. L'agilité à 91. Mais surtout l'endurance à 99. Je m'en servirai pas, du coup je pense que je le tégerai dans un SBC comme je l'ai fait par exemple pour le BU espagnol là, hein, pour les SBC. On verra bien les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner des idées de vidéos et je suis preneur. Bonne soirée les gars et à demain. Ciao tout le monde.